Salut tout le monde! On espère que vous allez bien, en tout cas ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et juste avant de commencer la petite vidéo, petite dédicace. Pour avoir une dédicace, c'est super simple. Vous avez juste à commenter notre dernière vidéo, enfin en fait toutes nos vidéos, ouais. Et vous écrivez votre prénom et vous dites je veux une dédicace. Et on fait des dédicaces tous les lundis et seulement les lundis. Et petite dédicace à Annie, à Rizoka, à Marwa, à Clément, à Valentin et à Océane. On vous aime fort. Merci aussi. Et gros bisous à vous. On vous laisse avec la suite de la vidéo et on fait des gros bisous. Maman, j'ai faim. J'arrive, je te ramène à manger. D'accord. Voilà, je te ramène à manger. T'aimes bien ça? On mange doucement, hein, on s'étouffe pas. Doucement. Voilà. Allez hop, là je t'ai donné un plus gros bout, donc doucement. Non mais là t'avales trop vite. Ah. Tu manges trop vite, t'as pas le droit. Oh mon dieu, ça va? Ça va? Oui maman, c'est bon. Encore? Bon allez, c'est bon. Ça suffit. T'as bien mangé là? C'est bon. Ça suffit. Est-ce que c'est bien? T'es bien attaché là? Tu tombes pas, hein? Maman, j'ai envie d'aller aux toilettes. Oh là là! C'est la quatrième fois dans la journée. Bon. T'enlèves ton pied? Non, tu l'enlèves, tu le remontes. Voilà, vraiment plus. Mais. Je peux pas! Mais comment ça, tu peux pas? T'as juste à lever ton pied. Mais non, pas comme ça. Maman, arrête. Arrête de faire comme ça. Tu dois juste lever ta jambe. Ah bah oui, tu peux pas. Voilà. Tu vois. Tu m'as fait mal. N'importe quoi, quand on veut, on peut. Voilà. Non. Non, doucement. J'ai pas de main. Ok, c'est bon. Ah oh! Quoi? Tu vas où? Ben, je vais aux toilettes. Non. Ça va pas la tête. Quoi? Assieds-toi là. Mais. Mets-toi debout doucement, tu te mets doucement. Attention. On fait comme d'habitude, d'accord? Les deux mains sur ce truc. Maman, je peux y aller moi-même. Comme ça, d'accord. Mais maman, je peux y aller moi-même. Comme ça, on y va. Tu te tiens bien. Oui. Attends, on fait une pause. Mais. Ok. Non. T'es trop haute là. Faut que tu sois plus basse. Comme ça, t'es près du sol. Voilà. Comme ça. Maman. C'est pas drôle. On fait une pause. Non, mais... Ah, maman. Oh non, t'as mal. Oui. T'as mal où? Mais tu m'as fait mal au pied. Pardon, reviens. Non, mais... Non, mais... Allez, on y va. T'as bien fait pipi? Oui, c'est bon. Voilà, tu t'assois sur la chaise. Doucement. C'est normal. Oh. Allez, contrôler là-dedans. Je peux pas. Si, tu peux, là, t'as les jambes. Voilà. Très bien. Arrête ça! Bon, tu m'énerves. Tu vas être punie de dessert. De quelle façon je suis punie? C'est pas de la punition, ça. C'est pour te protéger de la vie. Tu comprends ou pas? Tu me remercieras quand tu seras grande.
Bon, tu les mets comment tes jambes là? Comme ça. Eh bien, pourquoi tu le fais pas depuis le début? Oh, tu me fatigues là. Voilà, tu restes comme ça, t'arrêtes. D'accord. Maman, les autres mères ne font pas ça alors. Parce qu'elles ne protègent pas bien leur enfant, eh oui. Ah, je vais te couper la tête. T'as de la chance d'avoir une mère incroyable qui s'occupe de toi tout le temps. Qui fait tout pour toi. Qui fait tout pour moi, elle me laisse même pas marcher. Bah oui, parce que tu peux tomber. Mais non. Je peux jouer, maman. Tu veux jouer à quoi? À court-court. Non, mais tu m'énerves. Tu vois bien que t'es sur une chaise, non? Mais ramène-moi de jouer. Ah, tu veux pas plutôt passer un peu de temps avec ta mère? Ma mère, elle est méchante. Je suis pas méchante. C'est ça pour ton bien. Alors donne-moi Maya. Maya, mais non, elle va te griffer. Mais... ramène-moi de jouer. J'ai l'impression que t'es pas bien attachée, là. Mais n'importe quoi, je suis très bien attachée. Non, regarde, tu peux bouger tes bras. Bah oui, mes bras, oui, mais ça, non. Bon, je vais chercher des jouets. Trois petits chats. Reste de te taper dessus. Oh, mais... ah, la poupée, hein. Ta-ta-ta-ta-ta. Waouh, c'est moi qui vais gagner. Là, c'est moi. Yab. Yab. Allez hop, comme ça, c'est sûr de pas tomber. Maman, je vais. T'es sûr de pas tomber comme ça, t'as vu? Non, regarde. On est attaché, regarde. Oh, quoi? Non. Si. Bah, pourquoi t'as pas attaché à mon pied? Bah, j'ai attaché à la chaise. Ah, ben, à mon pied? Non, c'est à la chaise. Faut pas qu'elle tombe. Arrête ça! J'arrive, 2 secondes! Oh! Mais. On s'attache les mains parce que c'est dangereux, d'accord? Mais. Colle tes mains. C'est dangereux là. Ce que tu fais. Tu m'énerves! Oh, tu m'écoutes jamais. Qu'est-ce qu'elle a? Oui, bonjour. Est-ce que vous auriez des œufs? Si oui, vous... j'arrive. D'accord. Un petit peu plus. Bonjour. Oula. Bonjour. Tu vas bien? Oui, très bien. Bah pourquoi t'es attachée? T'es en train de jouer? C'est un nouveau jeu, c'est ça? Non, c'est pas un jeu. C'est ma maman, elle a trop peur que je me fais mal. Du coup, bah, elle m'attache tout le temps. Ah bon? Oui. Et quand j'ai envie d'aller aux toilettes, elle me détache, mais elle doit me porter. Bah écoute, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est un peu grave, c'est interdit ça, tu sais. Elle a pas le droit ta maman de faire ça. Bah si, elle a le droit parce qu'elle me protège du danger de la vie. Oui mais il faut que tu vives ta vie quand même. Je sais pas, il faut que tu marches, c'est important. Voilà. Tu t'ennuies là toute la journée sur cette chaise. Bon, elle joue avec moi. Bon, voilà, 2 œufs. Merci, c'est gentil. Et vous attachez la petite? Ouais, pour la protéger. Mais comment ça se fait? Bon, écoutez, je pense qu'on n'a pas de compte à se rendre. Ma fille va très bien, vous voyez qu'elle est maltraitée. Non, est-ce que tu es maltraitée? Bah non. Allez, tu vis très bien comme ça, non? Oui. On a eu tous une éducation comme ça dans la famille. Allez-y, sortez. Et j'espère que vos 2 œufs seront bons. Oui. Bah, au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. De quoi elle se mêle celle-là? Elle se mêle de notre vie. C'est une folle. Arrête, on va déjà tout. Tu veux qu'on fasse le manège? Oui. Allez, on fait le manège. En plus, je suis dans la tâchienne. Mais attention à la télé. Alors, attention, le démarrage, c'est parti. Il y a une montée, tout doucement, il y a la montée. Vous voyez le en bas? Ça monte. Vous êtes de plus en plus haut, et de plus en plus haut, et de plus en plus haut. Vous voyez la descente? Oui.
Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'appelle ma mère. Allô? Oui, ça va maman? Bah écoute, ça allait oui, mais là je viens de voir quelque chose qui m'a complètement perturbée. Oui, en fait, j'étais en train de faire des crêpes, donc j'avais besoin d'œufs. J'en avais plus, donc je vais voir la voisine d'à côté. On se connaît pas trop, hein, on se voit dans la rue de temps en temps. Je savais même pas qu'elle avait une fille déjà. Donc j'arrive chez elle, je lui demande des œufs, elle va les chercher, je rentre parce qu'il fait un peu froid. Et là, je vois une petite fille attachée sur une chaise. Oui, elle était vraiment attachée sur une chaise avec du scotch et tout. Et elle me parlait normal. Et je disais ça va, elle me disait oui et tout, enfin voilà. Et moi je pensais que c'était un jeu au début. Et en fait elle m'a expliqué que non, que sa mère a fait ça pour la protéger, que voilà. Enfin, ouais, c'est chaud. Mais donc je sais pas quoi faire maman, c'est pour ça que je t'appelle. Parce que depuis tout à l'heure, bah, je cogite, je sais pas si je dois appeler la police ou pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je devrais appeler la police, tu penses? Bah oui, la petite, elle vit pas, quoi. Ah ouais? Elle est là toute la journée enfermée sur une chaise. Et je suis sûre qu'elle ne va jamais à l'école parce qu'à chaque fois, sa mère, je la croise toute seule. Personne ne sait qu'elle a un enfant, en fait. C'est très grave, là, à ce niveau-là. Je pense pas qu'elle l'ait signalé, non. Je pense qu'elle a accouché chez elle. Que voilà, elle n'a pas dit qu'elle avait un enfant. Oui, je pense que c'est très grave, oui. Ok, je vais faire ça. Ça marche. Bah écoute, je te tiens au courant. En tout cas, merci maman. Fais attention à toi. Bisous. Bon. Je vais appeler la police. C'est pas possible. Je peux pas laisser faire ça. 17. Allô? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle par rapport à ma voisine qui enferme sa fille chez elle. Oui, je l'ai remarqué tout à l'heure en allant chez elle pour aller chercher des œufs. Oui, j'ai vu que sa fille était enfermée sur une chaise, oui, et, elle est un petit peu, je pense qu'elle est malade, je pense que sa fille n'est pas signalée. Non, non, elle va pas à l'école, je suis presque sûre de moi, oui. Il vaut mieux que vous veniez faire un tour pour voir de vous-même, oui, c'est mieux. Oui, on habite au 36 rue de la Paix. Oui, c'est ça, Paris. C'est ça. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Bon. Bah écoutez. J'espère que ça va aller. La 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 la. Problème c'est ton voisine. Bon, attends-moi. Yeah. Je suis contente. Ouais. Bonjour madame, ici la gendarmerie de la police. Je peux entrer? Oui. Oui, merci. On m'a signalé, voilà, exactement. Vous avez kidnappé votre fille? Ah non. Bah si. Non. Allez. Non. Vous allez être emprisonnée. J'aime bien ma. Qu'est-ce que vous faites là? Expliquez-moi. Ben, je la protège. Vous la protégez de quoi, man? Mais je la protège. Vous la protégez pas de vous? On nous a signalé un enlèvement. C'est pas vrai. On nous a signalé. C'est pas vrai. Un kidnapping. C'est pas vrai. Si. C'est pas vrai. Je le vois dans mes yeux. Dans mes yeux? Je le vois dans mes yeux. C'était l'heure de sa sieste. Allez. Mais... Madame. Madame. Il va falloir... Arrêtez. Oui, mais ça... C'est hyper classe, regardez ce que je vais faire. On fait moins de malin quand c'est moi qui les a. Gna gna gna. Je les ai, tu fais rien. Gna gna gna. Attention, un éléphant rose.
vous arrêter. Vous êtes en état d'arrestation. Non, c'est vous. Pour menteur, pour mytho. Madame. Monsieur. Madame. Monsieur. Madame. Monsieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça, la police. À l'aise, la ville de Paris. La gare. La gare. Déjà. La bouzard. Madame, je vais vous sauver la vie. Allez-y. Enfuyez-vous. Enfuyez. Aïe. 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 À moi la vie. Aïe. Voilà. Oh, ma fille. Ma fille. Parfait. Ma fille, prends ça et attache le policier. Non. Oh. Elle fait comme moi. Nia, 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 j'ai pas de bras. Tu vas faire comment? Aidez-moi. Ok, je l'aide. Allez, viens me frapper, ma petite. Voilà, c'est... Non, mais ne m'attachez pas moi. Si. Ou gendarmerie nationale de Paris. À vos ordres. Vous êtes venue tout seul. Espèce de débile. Vous rendez ça, petite. Non. Attention, vous faites un délai de vraiment pas bien, d'accord? Gendarmerie nationale de Paris. Mais vous pensez que moi je peux pas m'enfuir? Allez-y, attachez-moi. Allez-y, je vous regarde. Hey. Gendarmerie nationale de Paris. Là, ce que vous faites, c'est pas bien. Moi, je suis votre enfant. Bah oui. Vous allez voir, vous allez être heureux avec moi. Vous allez être puni par la loi. Y a pas de loi. Oh, est-ce qu'on peut faire connaissance? Comment vous vous appelez? Alors moi, je m'appelle EAF672. Vous ne saurez jamais mon vrai prénom. Pourquoi? Parce que vous allez me dénoncer. Et vous, tu t'appelles comment toi? Dis pas ton vrai prénom, trouve un autre. Je m'appelle l'agent policier. Voilà. Et vous, comment vous vous appelez? Je m'appelle Vivi Dududu. Vivi Dududu? Oui. Je vous le dis pas parce qu'après vous allez me dénoncer. Ben, vous dénoncez de quoi? Mais toi, ça va? Tu le vis bien, ça? Ben oui! Elle a dénoncé. Et oh. Je peux vous appeler maman? Vous appelez-moi comme vous voulez. Maman, c'est quand qu'on mange? On mange dans... Ben, vu que vous m'avez retardé. On mange dans... Voilà. Allez, je mange. Vous faites gaffe qu'elle part pas, hein. Oui. Bon. Du coup, on mange dans... Non mais levez-vous. Dans une heure. Dans une heure, oula. Merci. Merci. Vous êtes ensemble? Oui. J'ai préparé le plat de ce soir. Vous la manège? Non. Regardez là, vous non. Êtes... Vous êtes sur la descente. Non. Vous êtes sur la montée, vous êtes... Vous voyez le vide en bas? La montée, la montée. Ouais, et du coup, il s'est passé quoi? Ah ouais? Mais c'est trop bizarre, lui. Genre comme ça, là, genre vous étiez au McDo et d'un coup... Ouais, non, next. Hein. C'est trop chelou, mec. Ouais, ouais, ça se trouve, c'était en... Ouais, grave, ouais, c'est vrai. En même temps, meuf, les mecs que tu rencontres sur Tinder, c'est pas... Tu fasses gaffe quoi. Normal. Et du coup, ouais, bah non, tu peux le bloquer. Hein. Bah oui, hein, bloque-le, hein, c'est mieux. Hein. Bah ouais. Non mais meuf, tu mérites beaucoup mieux en fait. Attends, t'as un sou pour toi? T'es là, tu taffes, tu gagnes ta propre thune, t'es là, tu fais des études à côté, t'es belle, tu t'habilles trop bien, excuse-moi, mais tu prends grave soin de toi et tout. Je sais pas, enfin... Mais t'as tous les mecs à ton peu à tes pieds. Mais bien sûr. Bah bien sûr, attends. Genre, ok d'accord. Ouais. Bah vas-y, bah tu vois. Tu vois lequel ce soir là? Tu vois Raph? Attends, c'est lequel Raph déjà?
Ah ouais, celui qui a des beaux yeux. Ok, ça marche. Vas-y, bah tu me raconteras, ma femme. Vas-y, t'inquiète, tu m'appelles. Tranquille. Vas-y, bisous, bisous. Profite bien. Salut. Salut. Oh, sale folle. Oh, elle est folle, celle-là. Elle est malade. Margot. Je l'aime pas. Oh, ça va, elle est gentille. Bon, elle se prend un peu pour je sais pas qui, là, mais ça va, elle est gentille. Aussi, t'as une confie, là. Non, mais en même temps, après, elle tombe en impression, elle chiale. Sérieux. Tu vois, Diana? Elle doit être dans la chambre. On l'entend pas, quand même, c'est bizarre. Hein. Quand on l'entend plus comme ça, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a un signe, elle fait un truc, là. Va voir, s'il te plaît. Et on souffle pas. Oui, on souffle pas. C'est bon, ma mère non plus. Hein. On souffle quand même pas. Ciao. Bella, ciao. Du coup. Quoi? Bah, elle est où? Oh, elle dort. Elle dort, mais il est 18h36. Alors, fais une sieste quoi. Mais ça ressemble pas à Diana ça quand même de faire une sieste comme ça à 18h30. Oui mais elle était fatiguée tout à l'heure. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête, qu'elle était fatiguée. C'est bizarre quand même, j'allais la voir. T'as de la fièvre un petit peu là. Ça va? Oula, ça va pas là. Chut, chut, calme-toi. Putain, il est où le thermomètre déjà? De fièvre, c'est pas possible. Faut qu'on Diana, faut qu'on aille voir le médecin, mon chat. Faut qu'on aille voir le médecin. Eva, viens vite, viens vite, vite, vite. Diana, elles sont pas bien. Viens vite, dépêche-toi. Viens vite, prends-la avec moi. Il faut qu'on l'emmène aux urgences là. Hein? Elle a 40 de fièvre. Tu peux la porter? Vite! Il va vite! Dépêche-toi, dépêche-toi! Il va, dépêche-toi, monte dans la voiture! Monte dans la voiture, j'arrive! Ça va, Diana? Ça va? Eva, appelle maman! Tiens, Eva, appelle maman vite! Vite, 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 vite! Allô maman, on est en train de ramener Diana aux urgences parce qu'elle a grave mal à la tête, je sais pas ce qu'elle a. Elle a 42 fièvres. 42 fièvres. Comment ça on va pas? Quoi? Elle a dit qu'on devait pas aller aux urgences. Pourquoi? Mais elle peut pas, elle a 42 fièvres, elle a même pas marché. Elle n'arrive pas à marcher. Attends, mais elle arrive là, elle est sur la route, elle est à 5 minutes de la maison. Et on fait quoi là? On laisse Diana comme ça? On rentre à la maison? Ok, vas-y, on t'attend. Bisous. Bah ouais. On rentre à la maison là ? Ouais. Je comprends plus rien. Faut que je fasse demi-tour. Ça va ? Diana ? Essaye de la réveiller, Eva là. Elle se réveille pas. Il faut qu'elle se réveille. Il faut qu'elle ouvre les yeux un petit peu là. Diana ? Vas-y Diana, ouvre les yeux un petit peu. Oui, on va voir maman. On va voir maman. Ouvre les yeux. On arrive là. Elle va arriver maman. Ouvre les yeux. Allez
plus. Donna, faut que tu te réveilles. Là, ça suffit. Maman, elle va arriver. Elle va arriver, maman. Donne-lui du doliprane, quelque chose. Bah, ramène le doliprane. Diana, maman, elle va arriver. Je vais te donner un peu de doliprane pour ta fièvre. D'accord? Ça va te faire du bien. Ok? C'est tout, t'as mal au pas? J'ai mal ici. Maman. Maman, elle arrive. Je crois que maman, elle arrive là. Ouvre. Vas-y, va la chercher vite, vite, vite. C'est bon, elle est là, maman. Elle est là, maman. Ah, oh, vas-y, c'est bon.